Allez, c'est parti. Moteur. Bon, ce qu'on va faire, on va dégorger le moteur. C'est-à-dire qu'on va passer sur l'avant pour bien dégorger le moteur. On se met sur l'avant, pourquoi? Pour pas souffler la voile. Après, on se relève. Bon, attention, il se tourne toujours. Et après, c'est pour toi. Tu feras ton centrage. Tu as fait le concentrage. Ok, on recule un peu. On recule, on recule. Allez. On recule encore un tout petit peu. Voilà. Allez, tu peux passer sur l'avant. Ça va? Ne te psychote pas avec ça. T'inquiète pas, ça va le faire. Voilà. Ouais, c'est vrai, au début avec les gants et tout, je suis d'accord avec toi. Allez, on passe sur l'avant. Allez, vas-y. Ah, c'est bon. Ouais, en fait, il y a vraiment la fin, il se passe plus rien. T'as compris? T'as toute la puissance dans le A. Donc, tu vas voir qu'en vol, tu risques de dériver quand même à gauche. Donc, il faudra. Mais il faut pas réduire tout. Hein. Faut... Voilà. Hein? D'accord? Clément, je te souhaite un bon vol. Bon vol à toi. Messieurs! Reste encore, monte tes bras. Attention frontal, arrête tout. T'es trop violent. Tu vois, c'est pas la peine d'être aussi violent. Il y a assez de vent. T'es trop pressé d'être en vol. Ah oui, j'ai oublié de te dire, hein, si ça merde, tout de suite on coupe. Ouais, ouais. Alors tu vois le gros avantage de l'hélice en croix. Là, t'aurais pas eu un moteur avec l'hélice en croix. Bon, ça va que les suspensions n'ont pas fini dedans. Mais tu vois, c'est ça l'avantage. Donc, en réalité. Je crois que je vais enlever mes gants en fait. J'ai pas de. Je pense que tu vas les enlever et autre chose. Reviens, là je t'ai fait reculer, c'est pour pouvoir avoir la latitude, pour pouvoir... Ouais. Mais après, reviens, avant de décoller, reviens sur ton point de... Parce que là, vu le vent qu'il y a, t'as juste une petite impulsion à mettre. Là, en réalité, t'as pris trop d'élan, et la voile, elle t'a dépassé, parce qu'elle va très vite, elle monte bien. Donc ce qu'on va faire, on refait la procédure. Comme c'est un décollage, on est très rigoureux. Quand on est en procédure de décollage, on est rigoureux. Carbo contrôle, t'as tout ton temps. Le vent est marqué en plus, donc c'est bien. Voilà, cherche ta voile. Attention, freine là. Voilà, remonte les bras. Voilà, doucement, prends ton temps. Voilà, vas-y, gaz. Allons, j'arrive. Donc tu vois, le coupe gyroscopique est bon. C'est impeccable. Tu restes sur cette puissance. Donc, la vue, la 23, il est obligé de la freiner un petit peu. Il la freine, boum, la vue, elle a été limite frontale. Ouais, boum, frontal. Il la freine, toc, il reprend. Voilà. Donc, en effet, quand on a une petite voile et qu'on a un peu de vent, c'est le risque qu'on a. Mais vous, avec les 26, elle passe pas. Là, il a un peu de frein à droite, là, à gauche. Mais c'est normal, c'est coupe gyroscopique. Mais ça va, c'est pas méchant, parce que vu le poids du mec. Ça préparait à remettre un tout petit peu de gaz. Ouais. Voilà, un petit filet de gaz. Petit filet de gaz. Allez, tu maintiens, tu fais en sorte que ce soit en palier. Allez, remets avec les gaz, un petit peu. Voilà, gaz, un petit peu. Gaz. Regarde loin de toi. Marsouine pas trop. Voilà. Voilà, c'est bien. Tu tiens ta voile. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Voilà, c'est très bien. Et là, toi, à la remise des gaz, tu passeras sur la gauche. Hein. Voilà. C'est pas sécurisant pour un deuxième vol, mais c'est pas grave. Voilà, tu remontes face au vent. Voilà, tu remontes. Et maintenant, tu peux commencer à tourner un peu à gauche. Léger à gauche parce que tu as du coupe gyroscopique, hein, n'oublie pas. Impeccable. Voilà. C'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie? Il a arrêté le moteur là? Non, il tourne. Non, il tourne. Il ralentit. Il met juste le filet de gaz qui va bien. J'ai même pas besoin de lui dire pour éviter que ça cale. Parce que des fois, ça pourrait caler.
un ralenti moteur hein, Et de il y a tout temps. petit filet. Bon, il a mis le petit filet de gaz qui va bien. Il a dû mater toutes tes vidéos. Peut-être là, il va être un peu court. Non, non, mais le but c'est de faire. Alors le but donc c'est faire un palier. Hein. On n'est pas sur le latéro. Hein. Voilà. On est un petit peu trop tôt. Tire un petit peu sur les deux commandes. Tu tires en même temps sur les deux commandes un tout petit peu. Pour éviter que la voile bouge. Voilà. Et là, tu regardes l'horizon. Voilà, c'est bien. Voilà. Et tu stabilises ta voile en tirant sur les deux commandes. Voilà, c'est superbe. Ouais, c'est pour éviter que la voile fasse ça. Donc tu tires un tout petit peu sur les commandes et tu gères avec les gaz. Voilà. Hein, c'est une conjugaison des deux en réalité. Hein. C'est comme ça qu'on est arrivé à régler le problème d'Alexandre avec sa voile Skywalk là. Et... Putain, c'était flippant lui. Ah bah ça y est, c'est réglé le problème. Cinquième et sixième vol, on a trouvé. Il était mal réglé? Non. Problème de dosage de gaz et de pilotage de voile. Il faut associer les deux. Et comme le mec il avait très peu de vol, il faisait pas quoi. Donc en effet, je lui ai appris à gérer, il fait des paliers maintenant, comme ça, hein, nickel, hein. Sa voile ne bouge plus. Putain, mais on te rappelle le premier vol? Ah bah oui, mais il a une voile qui est hyper vive, elle est hyper vive la voile. Donc là, il a fait 6 vols maintenant, c'est bon, ça y est, il va revenir, on va refaire encore un peu de PTS, et puis c'est bon. Voilà, donc là, on va se remettre en palier, et on va se préparer pour une finale à Persan-Beaumont LFPA. Je vais vous passer la tour de contrôle. Donc vous nous rappelez en vente arrière. Là vous êtes déjà en vente arrière. Bon, non, vous nous rappelez en étape de base et on vous surveillera sur la finale. Aucun Boeing 747 en vue, donc c'est bien. Ah puis lui il me fait le tour de piste à avion, regarde. C'est pas beau ça? Il me le fait à l'angle droit, hein. T'as vu un peu? Hé hey. C'est con, il habite la Normandie, il va plus revenir après. Bah ouais. Oh, ça devrait dire. Non mais il va revenir que ponctuellement, il sera pas là tous les week-ends. T'as vu un peu comment il vole? C'est le deuxième vol? Ah oui, deuxième seulement? Ah putain merde. J'aurais pas cru. Un mec a jamais volé, hein. C'est beau d'être jeune. Non, arrête. Voilà, bah tu restes à la hauteur où t'es, on va essayer du coup de faire la piste. Hein. Voilà, tu montes pas plus, tu restes comme ça. Voilà. Voilà, t'es pas mal. Non, descends pas trop. Reste comme ça, je te ferai couper le moteur au bon moment. Hein. Tu coupes pas pour l'instant. Ah oui, on fait un posé là, hein. Donc ce que je souhaiterais c'est que tu sois... Tu remets les gaz s'il te plaît. Remets-moi un petit peu les gaz. Remets les gaz s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Croise les jambes si tu... Alors, tu vas me remettre les gaz, s'il te plaît. Tu remets les gaz, 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 gaz. C'est pas un passage bas, c'est une finale. Et j'aurais souhaité pour un deuxième vol, le moteur soit coupé un peu plus haut. Donc tu repasses et tu refais le tour et tu te représentes. Les premiers vols, vaut mieux vous laisser du temps sur la pente de descente, moteur coupé. Parce que sinon, vous finissez sur le cul et braqué. Bon, pas pour tout le monde. Voilà. Et là tu me fais un circuit de piste court, c'est-à-dire là tu tournes à gauche. Allez, tu peux y aller, tu tournes à gauche, tu tires un tout petit peu plus sur les commandes et tu me le fais un peu plus court. Et tu vas rester à la hauteur où tu es là, je veux une belle pente de descente. Hein. T'inquiète pas, on te fera couper le moteur, on essaiera de le faire couper au bon moment. Parce que comme je lui ai fait faire des passages bas, ça y est, il est habitué, il se dit ça y est, je vais pouvoir me poser au moteur. Pas tout de suite quand même, pas tout de suite, on attend un peu. On attend un petit peu. Alors tu fais attention, tu as une voilure tournante, hélicoptère, autogire à ta gauche. Ouais, il a vu, voilà, tu restes en palier comme ça, tu descends plus, tu montes plus. C'est bon, l'autogire dégage. Il allait sur ta fréquence, il était assis. Allez, tu peux tourner sur ta gauche. Allez, tu peux tourner à gauche. À gauche. Si tu m'entends, Clément, croise les jambes. Ok. J'ai l'impression qu'il ne m'entend plus. Je commence à avoir un problème de paille là. Ouais, ça y est, c'est parti. T'as plus de batterie? Ouais, bah, à force de causer. Tu veux la mienne? J'en ai une autre dans la voiture. Mais non, mais il va me reprendre là. Si tu m'entends, croise les jambes. Ok. Tu
Tu restes au palier comme ça, tu me descends pas s'il te plaît, tu restes à cette hauteur. Remets un tout petit peu de gaz s'il te plaît, un petit filet de gaz s'il te plaît. Je veux pas que tu descendes, monte, reste au palier. Voilà. Voilà. Donc tu viens sur moi. Allez, tu coupes. Tu regardes bien droit devant, bras haut, un pied devant l'autre. Sors bien, freine, commence à freiner. Doucement, 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 doucement. Ok, on monte les bras, on remonte les bras. C'est bien. C'est déjà plus court. Là, t'as tout fait, hein. T'as fait l'autre bout et t'as fait juste le seuil de piste. Comme ça, on pourra. T'as eu les deux limites. T'as eu les deux limites, voilà. Là, je flippais un peu parce que là, j'ai des fourmis dans les pieds. J'avais peur de pas sentir. Venez lui serrer la main, là, qu'il se réchauffe, là. Parce que le pauvre vieux. Mets les mains sur le moteur, chat. T'es bien, Clément. Un très bon pilote. Très doux. Enfin, faut dire que l'aérologie est très bonne aussi. Hein, aujourd'hui, ouais, c'est nickel.